En 1991, le chanteur slave, russe par son père et belge par sa maman, est à l'apogée de sa carrière. Il sort de deux numéros 1, François Feldman, vous le savez, c'est lui dont il s'agit. Les valses deviennent puis Petit Franck, et puis il ne sait pas encore qu'un troisième numéro 1 l'attend l'année suivante avec Joy. Pourtant, en automne 91, cette jolie chanson, celle-ci, est un succès de nouveau pour lui. Magique Boulevard, justement, qui se placera 12e des ventes de singles en France, porté par un très beau clip, vous allez voir dans un instant, dans lequel participe la regrettée comédienne, grande actrice, Annie Girardot, décédée de la maladie d'Alzheimer. C'est culte, c'est pour vous, c'est dans Mélodie 90. Des films, 100 fois les mêmes crimes, les mêmes scènes. Elle travaille seule, elle place les gens, dernier fauteuil ou premier rang, des phrases d'amour sur grand écran. La nuit, le jour, ça lui fait du vent. Elle vit comme ça, l'amour des autres. C'est quelquefois qu'à l'image qui saute. Elle vit sa vie dans le noir. Les amoureux qui ratent le film en fermant les yeux. Le vent s'éclate avec ses rêves. Un sourire passe au bord de ses lèvres. Demoiselle à lampe de poche se voudrait belle pour faire du cinoche. Parfois qu'elle chante, elle t'allait vite pour une séance. Elle devient Ingrid. Des gens connus, des gens glacés, qui ne parlent plus, jamais la foule ne prend sa main, ses larmes coulent avec le mot fin.